Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Salut à tous, pas moins de 50 minutes passées en votre compagnie dans le Couleur Cannelle, émission diffusée sur Fusion la radio le vendredi soir 19h, un plaisir, le samedi sur la télé à 20h. Dans ce thème du jour, je me fais un plaisir de recevoir un duo de chanteurs martiniquais au pseudonyme de Binoc et Paco Jazz. Très vite, on va dire remarqué lors de divers sons de système ici et là. Ça date, hein. Les gars, ils ont été remarqués ici et là, ça c'est vrai. Avec, on va dire, différents artistes de l'époque, ce qui leur vaut l'opportunité d'effectuer la première partie de concert du groupe NTM lors de sa venue en Martinique en septembre 1997. Messieurs, messieurs, l'an est passé. Allez, moi je vous dis sincèrement que des expériences, il y en a avec ce groupe. Je vais pas tout vous citer, pas possible. Je vous dis qu'il y a tellement de choses à dire sur ces messieurs, fort de ces récentes expériences. Les papa tank décident qu'il est temps sérieusement de reprendre le chemin du studio, et ce n'est pas pour nous déplaire. Et pour moi, c'est le moment où je souhaite la bienvenue au duo que forment Paco et Binoc, les papa tank. À la main aussi. La plage soleil, c'est pas ça seulement qui est matinique, non man. La main aussi. Yo. Toto, qui est là, v'là une paire de scala. Mettons les choses à plat, évitons les blablabla. Qui a dit qu'à Madinina, les sons ne pétaient pas et que les gens ne bougeaient pas. Toto, qui est là, v'là une paire de scala. Mettons les choses à plat, évitons les blablabla. Qui a dit qu'à Madinina. Il me parle de soleil, de sable de cocoche, de chaleur sans pareil. S'agit pas que de ça. Y'a plus d'action qu'au cinéma. Y'a des quartiers où la vie coule à flot, même dans les chiottes. Mais y'en a d'autres où toutes les rues sont la crotte. Laissez faire sans rien dire. Souvivre le bio du manga avant la souris. Il est fini le temps. Sage petit enfant, qui dit jamais méfiant. Voyez ce que disaient les grands. Maintenant, ouvre tes yeux, la voix du domaine merveilleux. Et ça dans tout le milieu. Toto, qui est là, v'là une paire de scala. Mettons les choses à plat, évitons les blablabla. Qui a dit qu'à Madinina, les sons ne pétaient pas et que les gens ne bougeaient pas. Toto, qui est là, v'là une paire de scala. Mettons les choses à plat, évitons les blablabla. Qui a dit qu'à Madinina. Tchao. Oh, j'aime la lumière des couches de soleil ici. Quand je pense que tous mes ancêtres ont passé la fin de leur vie ici. Oh oui, c'est encore ici qu'on trouve la meilleure. Si, si, comme Joe Star dit, oui, on dit best, yes, je le dis aussi. Mais y'en a qui ne comprennent pas, qui ne voient pas tout ça. Ils dirigent alors des fausses mafias, pensent en Yakuza. Accusent les cousins, même les frères et les sœurs, c'est la série noire. Évite de tendre la main, sinon le lendemain tu te retrouves sans petit doigt. Mais dis-moi quel avenir malsain, comment vas-tu les jours prochains? Il faut qu'un jour on fasse qu'un, car on est tous sur le même chemin, mon ami. Alors, stop ça et cesse de jouer les assassins, tu trouves. On va plus fort que toi, et là tu voudras passer pour un saint. Toto, qui est là, qui est là, papa Toto, qui est là, qui est là. Toto, qui est là, une paire de scala. Mettons les choses à plat, évitons les blablabla. Qui a dit qu'à Madinina, les sons ne pétaient pas et que les gens ne bougeaient pas. Toto, qui est là, v'là une paire de scala. Mettons les choses à plat, évitons les blablabla. Tu as dit qu'à Madinina, on est sur Couleur Cannelle, franchement. Hey, exceptionnel d'être là, merci pour l'accueil. Très bien, monsieur. En tout cas, moi, sachez que je suis très, très, très heureuse d'être avec vous. Salut Paco, salut Binoc. Salut Nounou. Wow, 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 comment va? Ça va, nous là, tranquillement. Ouais, nous là. Qui ça vous dit, Talia? Nous la tout piti. Nous la tout piti, ouais, ouais, ok. Ouais. Ah bah justement, demandez à Binoc, nous la tout piti signifie que... Eh ben tout piti, ça veut dire que nous pas qu'à faire gros ni trop gros mouvement, parce que il fait chaud. Et mon cas, il y a quelque chose qui se prépare, les gars. Mm-hmm.
Ah ouais, je sais pas c'est quoi, mais... Il y a un truc qui chauffe dans le foie. Ça tue. Quand c'est bon, on partage. Comme annoncé précédemment, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous faites partie de ce circuit, on va dire, particulier. Qu'est-ce que la musique à vos cœurs à tour de rôle? Je vais commencer par Paco. Et puis, est-ce que tu peux me parler de quelques bons souvenirs que tu as en tête concernant ta musique? Je dis bien la tienne. La mienne, c'est-à-dire celle que j'écoute, celle que je fais. Celle que vous faites, celle tous les deux. Celle que nous faisons, oui, d'accord. Bien sûr. Alors, un moment qui a marqué ta carrière, bien sûr. Un moment qui a marqué ma carrière, je pense que déjà la rencontre avec Binoc, parce que déjà c'est un tournant professionnel et c'est une pure révélation amicale. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et on se capte jusqu'à maintenant. Donc forcément, on est hors des projecteurs, hors de scène, mais c'est un événement en tout cas au cours de ma vie, de ma carrière. Ok, même question, à chaque fois ça va être ça, les gars. Me concernant, c'est vrai que c'était un petit peu ça, la naissance du groupe Papatan, que les années lycée, le Club Toast, les allers-retours. C'est quoi le Club Toast? Le club, tu vois, c'est une biscotte et puis du. Il y avait des clubs dans les lycées, le club lecture, le club tout ce que tu veux. Il y avait un club raga, toast, quoi. On toastait, on écrivait des textes en raga et puis on chantait sur des rythmes. Ah, c'est ça, toaster en vrai. Voilà. Ah, ouais. Non, mais justement, pour ceux qui écoutent. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Maintenant, on appelle ça DJ ou Sing J ou machin, mais on disait, ouais. Toaster. Les choses ont bien changé. Vous avez fondé le groupe en 1990. 19 Non, c'est 1997. Qu'est-ce qui a changé 97, ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis vos débuts? On a plus de poils à la barbe. Non, mais allez, sincèrement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pas mal. Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qui a changé réellement depuis les débuts? Déjà, il y a eu... il y a eu la vie, hein. La vie est passée par là. Vous connaissez la vie, elle est très capricieuse. Des fois, elle vient vous faire des câlins. Des fois, elle vous fout une grosse calotte dans la bouche. Oui, là. Et puis, il y a eu tout ça, quoi. Donc, et puis, c'est des choses qui nous ont fortifiés, qui nous ont fait grandir et puis qui vont forcément impacter nous et notre musique après, quoi. Donc, voilà. Alors, justement, bien qu'il y ait eu une séparation, oui, à cause de la vie, hein, voilà. Comment expliquez-vous que vous soyez toujours ensemble après tant d'années? Parce que je pense que dès le départ, il y avait une sorte de sincérité, il y a un truc solide qui s'est créé sans même qu'on s'en aperçoive. Et jusqu'à présent, le truc est encore vivant, encore bien, bien viable, quoi. Donc, on est les premiers surpris, sans être surpris, parce que pour nous, c'est naturel, mais c'est vrai qu'autour de nous, on voit beaucoup de groupes tirer leur révérence au fil du temps. On a la chance d'être là et de pouvoir bosser pour le public encore, et tant mieux. Selon vous, qu'est-ce qui fait votre originalité artistique? Parce que les gars, pas contre tout le monde. Je sais pas. Le fait d'être tout terrain, je pense. Et puis les tierces, je pense que les tierces... Ouais, ça, deuxième voix aussi, c'est une espèce de spécialité, surtout en live. C'est pratique. Est-ce que vous pensez tous les deux... On vient d'entendre le premier titre, c'était... Oui, est-ce que vous pensez que vos titres ont une valeur universelle? Ça, ça importe, les gars. L'universel, est-ce qu'on doit le chercher chez les autres ou chez nous? Parce que pour nous, oui, en tout cas. Ouais, exactement. Pour nous, c'est notre vision. Maintenant, tous ceux qui suivent et qui adhèrent à cette vision, ils vont propager le message et de fil en aiguille, ça va devenir universel, tu vois. Propager le message. Ouais. Vous trouvez pas que ça devient un petit peu difficile de propager les messages? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de messages et qu'il y en a à profusion et qu'il faut choisir. Après, c'est clair que pour attirer des fois les gens sur des messages, il faut que ce soit bien enrobé et que ça ressemble peut-être à un truc qui ressemble pour qu'ils puissent ne serait-ce que pointer l'oreille. C'est vrai. Donc on essaie de faire des beaux clips, des beaux trucs pour que... Machin, mais les messages sont toujours là. Est-ce que les gens... écoute plutôt qu'entendre, ou alors l'inverse, je sais pas, parce que des fois tu peux entendre un truc mais tu n'as pas vraiment écouté et puis tu n'as pas
Enfin, voilà. J'ai compris. C'était le quart d'heure philosophique de Kenobi. Yes. C'est le couleur cannelle sur Fusion, la radio. Envie de partager sur les ondes l'un de vos morceaux. On va dire oui, Patty, tranquillement et sereinement. Qu'est-ce qui aime Wainé. Wainé, 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 wainé. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wainé, 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 wainé. Papa tongue sur la dancehall, c'est ok. Wainé, 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 wainé. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wainé, 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 wainé. Papa tongue sur la dancehall, c'est ok. Je suis place, tout le monde danse et les bad vibes se cassent. Papa tongue s'avance avec beaucoup de classe. Laisse ton corps vibrer sur le beat, sur la basse. Tu verras que toutes tes frustrations s'effacent, laisse place à une sensation tenace. C'est le wine, wine qui t'emporte dans l'espace. Avec le papa tongue, pose de binoquet au parc masse. Welcome and spliff et rafraîchis comme une glace. Well, wine, 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 wine. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 wine. Papa tongue sur la dancehall, c'est ok. Wine, 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 wine. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 wine. Papa tongue sur la dancehall, c'est ok. On met la foule dans un drôle d'état. Regarde les gens, papa tank, équipe de soldats. Intelligence, istagial, bouge ton kunda. Et ça me donne envie, monte sur mon bidet pour faire ada de premier acte. Tu me fais toucher la peau de tes courbes, deuxième acte. On fait la gange à nous mettre en poudre, troisième acte. Dès qu'on se touche, on entend la foudre. Ça me donne envie, monte sur mon bidet pour faire ada. Wine, 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 wine. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 wine. Papa tank sur la dancehall, c'est ok. Wine, 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 wine. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 wine. Papa tank sur la dancehall. Oh, pas la peine, pas de veine, j'te malmène. Le son c'est mon domaine, c'est pour ça que j'me démène. Pour que la musique règne, again and again. Papa tank se ramène encore pour chauffer la scène. Yo, pour toutes les gales, pour tous les bois dans la sopla. Voici que reviennent nos deux fameuses paires de scala. Diplômé des sciences de la carrière. Papa tank again, from the mic center. Well, wine, 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 wine. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 wine. Papa tank sur la dancehall, c'est ok. Wine, 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 wine. Bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 wine. Aïe, pour les auditeurs de Fusion Radio, toi-même tu sais papa tank, on est là au mic, au micro, Kenobi, Paco, Jazz. Aïe. Yo yo, couleur cannelle, vous la connaissez. Alors, vous demandez, messieurs, quel regard portez-vous sur la musique, on va dire, caraïbéenne? Elle est bien particulière, la musique des îles. Quel regard portez-vous sur elle? Alors, Binoc ou Paco? Peu importe, tous les deux, vous répondez à ma question. Un regard bienveillant, comme... Bienveillant, dis-tu, c'est bien. Oui, comme un membre de la famille. Exactement. Après, vous aimez toutes sortes de musiques caraïbéennes. J'aime bien son. Après, il y a des préférences, mais bon, c'est comme toi, comme dans une famille où tu as un cousin que tu as préféré plus que notre, mais tu aimes tout le monde. C'est bouillon, ça. Tu as le bouillon, tu aimes ça. Oui, ça va. Bon, je vais pas en écouter toute la nuit, mais bon, il y en a deux trois que j'aime bien. Deux trois, c'est pas mal. En fait, je pense que la musique c'est comme un médicament. Si t'as un mal de tête, tu vas pas te bander le genou. Donc, le bouillon c'est fait pour une certaine pathologie, entre guillemets, oui. Tu vois. Et puis, le hip-hop pour d'autres, le reggae pour d'autres, le dance pour d'autres, soca, etc. Et effectivement, comme il dit, la musique caribéenne, c'est... Enfin, franchement, l'analogie du membre de la famille, tu vois, avec qui tu reprends contact... Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que en métropole, j'avoue, parce que j'ai vécu en métropole, mes parents écoutaient beaucoup de musique caribéenne et moi, je la regardais un peu de loin. Et c'est quand je suis arrivé en Martinique que je me suis dit, mais en fait, je connais ces vibes et ça me parle. Et en fait, comme ils disent, c'est un membre de la famille avec qui tu reprends contact. Je sais que Binoc aime beaucoup le compas. Oui, ça dépend. Les anciens compas. Il y en a des nouveaux, c'est qu'ils sont bien. Il y a deux jours, on écoutait la Perfecta et on était en train de s'ambiancer là-dessus. Hein. Oui, mais la Perfecta, c'est pas du compas. Ouais, mais c'est Caraïbes. Oui. Oui. Mais toi, il ne faut pas te tromper entre les noms des membres de la famille. Mais c'est très bien, bon. Tu lui apprends les choses. Il dit bien qu'il n'était pas ici, il n'écoutait pas ce genre de musique. Donc la Perfecta, c'est un groupe... Martiniquais. Bien. Et puis, bon, après, on ne peut pas vraiment
définir. On ne peut pas vraiment définir leur musique, on va dire qu'ils font de la perfecta, quoi. C'est ça, c'est très influencé et c'est très scientifique. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on dise ça de nous aussi. Ah, ils font du papa tank, ils font pas du raga ou du machin, ils font du papa tank. Mais vous faites du papa tank. Eh bien, merci. Pour choper la carte du... demander. Oui, pour choper la carte du succès, ne faut-il pas aussi de bons contacts, un peu de chance, une communication adéquate? Qu'en pensez-vous? Parce que ici en Martinique, c'est très 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 difficile sur notre île. On diffuse la musique quand on veut, quand on va dire quand on veut. Les gens, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Est-ce que pour avoir justement cette carte du succès, est-ce que ce sont les contacts qui comptent? Est-ce que ce sont les connaissances, le genre ouais bon c'est mes potes, on fait ça pour eux, je les aime pas, on diffuse pas. Il faut pas qu'on rentre dans ces trucs-là parce que ça c'est tout ce qu'il y a de non professionnel. C'est mon pote, je le passe, je le connais pas, je l'aime pas, je le passe pas. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a à bannir, en fait. Sinon, on est dans du bricolage, on n'est pas dans du vrai taf. Ça fait longtemps que t'es revenu? Depuis mai dernier, ça va faire un an. Ça fait un an. D'accord. Ouais, mai 2023. Ok. Vous avez passé un cap, on revient à la réalité. Qu'est-ce qui vous a fait peur dans le succès, la célébrité? Parce que vous avez eu beaucoup de succès, les gars. Vous avez même été célèbre. Beaucoup de personnes ont voulu vous côtoyer, être à côté de vous. Se marier avec nous et tout. Maman. Ah bon? Qu'est-ce qui vous a fait peur justement dans ce succès et qu'est-ce qui vous a fait peur dans ce succès? Parce qu'aujourd'hui il y a une autre réalité, les choses elles changent. Et qu'est-ce qui vous a fait du bien sûr dans le succès? Tu n'as pas vécu un succès. Il y avait deux, trois personnes qui me disaient. C'était pas genre les émeutes dès que j'ai mis le leader ou quoi. J'en doute, hein. Non, c'est. Alors, je suis une fan, mais je ne suis pas là. Je sais pas si toi-même tu as vécu un truc ou. On n'a pas été harcelé, d'une part, parce qu'on ne mettait pas ça en avant, on n'était pas star system, tu vois, peut-être à tort. On n'a vraiment pas mis ça en avant. On n'a pas pris la composante de rayonner volontairement pour faire rêver les gens. Tu sais, il y a une artiste qui parle ces temps-ci, qui dit des choses pour moi assez sensées, pour ne pas la nommer Perle Lama. Et qui parle de certaines choses qui sont intéressantes pour moi, enfin, selon moi. Un artiste, effectivement, doit faire rêver, en tout cas, le public qui le suit, quoi. Et il doit, effectivement, rayonner d'une certaine façon. Nous, on n'a pas du tout travaillé cette composante parce qu'on voulait garder la proximité, justement. Et qu'on ne fasse pas, qu'il n'y ait pas de différentiel, qu'on ne voit pas comme des stars. Tu vois, qu'on nous voit comme le poteau, comme le. Et du coup, ce succès, en fait, on ne l'a pas subi. Parce qu'on le voyait pas comme tel. Et puis il y avait pas encore les réseaux sociaux non plus. Et en deux, il y avait pas les réseaux sociaux. Voilà. C'est là où tu veux dire. Maman, quand même, tes autres, on est en piédestal. Mais non, mais c'est ça, ces autres. Mais nous-mêmes, monnaie nous qu'à point, c'est comme ça. En tout cas, c'est cool. Une petite parenthèse pour parler de Perle Lama, on la salue bien. Bah, vous parlez souvent du présent de vos chansons, de votre vie en général, vous n'allez pas me dire que non. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs que vous voulez atteindre aujourd'hui? Vas-y, Paco, je te laisse. Franchement, les objectifs, c'est de continuer à faire kiffer les gens et pour clarifier ce qui se passe en fait dans les têtes, là, on n'est pas là pour un coup. C'est pas un coup d'un soir, comme je le dis des fois, c'est pour une relation durable. Donc voilà, tous ceux qui veulent s'embarquer avec nous, il y a de la place dans le tank. Voilà. J'espère bien, j'ai eu l'occasion de vous voir performer sur scène, vous êtes bon. Mais vous préférez le studio, la scène, tiens. Oh là là, il n'y a pas photo. Ah non, mais il y a des gens aujourd'hui, puisque
les choses ont bien changé. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais la peau, je sais pas, il y a pas d'amour, il y a pas, c'est le truc un petit peu faux. Vous préférez la scène? Ah oui. La proximité. Moi, oui, franchement, moi je suis pour qu'on interdise vos codeurs sur la scène. Tiens, comme ça, on va voir ce qui se passe vraiment. Ah, ce serait bien ça. Je pense que ça serait pas mal de tester. Tu sais, faire un festival nos vocodeurs. Ça serait bien, tu sais, pour ça ceux existe. Qui sont... Non, mais sincèrement, ça existe de beaucoup. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais tu vois, pour ceux qui organisent des événements, tu vois, ça serait bien. Tous les artistes sont capables de faire des concerts en entier sans vocodeurs. Oh là là, Paco, il cherche la merde. J'ai une instru dans mon émission, je la diffuse et l'invité s'invite dessus, ce qui me permet de constater s'il maîtrise l'improvisation. Aïe, merde, j'ai pas révisé l'improvisation. Aïe, aïe, aïe. Je dirais que c'est parti. Vous pouvez le faire ensemble ou chacun son tour, comme vous le dites. Vas-y, on entend. Sa belle sa simple, et ni soleil qui ka clairé ba tout people. Merci bon Dieu, mon levé, jodi moi content. C'est check a guide, love qui ka contrôle. Avant que moi m'en dé d'autres, faut que m'en remercie. Pas besoin faire pièce, magie ni bagay sorcier. Merci bon Dieu, mon levé, jodi moi content. Ok. Si ou ka cherche love, vous pouvez way tous les jours. Love, ça s'aime qu'on en bonjour. Ou pe ouais et tout partout, on dit dans ouais pi à l'entour. Si ou ka cherche l'eau, ou pe ouais et tout partout. Ça s'aime qu'on en bonjour, on dit dans ouais pi à l'entour. Non, je ne suis pas un homme parfait. Comme tout un chacun, comme quelques méfaits. Ce n'est pas sur ma gueule que tu sais tout ce que j'ai fait. Si je fais comme toi, je dirais que tu n'as jamais rien fait ta vie, que tu n'as jamais rien compris. Une page pleine de ratures se tourne. Moi, je veux voir des smiles, des trucs de fou dans le miroir. Qu'on soit fier de nous, moi, je veux croire qu'on est pas complètement faux. Une page pleine de ratures se tourne. Moi je veux voir des smiles, des trucs de fou dans le miroir. Et qu'on soit fier de nous. Moi je veux croire qu'on n'est pas complètement faux. Comme quoi, mon instru, elle est quand même bonne. Beaucoup s'essayent, beaucoup y arrivent, et ça fait plaisir. À c'est ce cool. Propos, est-ce que vous pensez à une inclinaison pour les musiques, décidément, ça m'arrive aussi, pour les musiques venues du continent africain? Que pensez-vous des rythmes du continent africain? C'est la famille. Aussi, ouais, c'est ça. Non, mais est-ce qu'on peut vous voir arriver dessus bientôt? Les gars, aidez-moi. C'est la famille, nous, Léo. Non, non, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est des rythmes en fait, qui résonnent et qui s'insèrent carrément dans nos playlists et certainement dans nos rythmes pour qu'on pose dessus à l'avenir. Tu vois, c'est peut-être déjà fait. Et ouais, Afrobeat style. Mm-hmm. Et d'ailleurs, bon, je sais pas, moi, la musique black en général... c'est très lié, quoi, en fait. Je sais pas, dans l'afrobeat, tu vois, en ce moment, tu vas entendre beaucoup de sonorités qui font penser aux zouk et vice versa. Donc, on n'est pas perdu. Ouais. Allez, tout de suite sur Fusion. Je vous propose d'écouter le troisième son de mes invités du jour, Paco et Binoc. Soundboy. Est-ce qu'on est là? Ok, dem. Pour les auditeurs de Fusion Radio, listen.
Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la bagaille. Soundboy, stand by. Ça va les villageurs, tu veux jouer les Jedi. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la bagaille. Soundboy, stand by. T'as pas des pélasers, tu veux jouer le Jedi. Yorick Mastok, c'est moi MC Binoc. Fais tout le DB Soundboy, fais caca dans leur froc. Pareil comme un tobol donne dans ses starting blocks. Je m'accroche au rhythm pour pas que le swing block. Soundboy, amène tes copains, amène tes potas. Fais les rues pick, juke quand on s'y frotta. MC Binoc, check le mic, non stop. Make you jump up, 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 up. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la bagaille. Soundboy, stand by. T'as pas des pélasers, tu veux jouer les Jedi. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la pagaille. Soundboy, stand by. T'as pas des pélasers, tu veux jouer. Quand le tourne en rond, comme Zinon, multitude de mauvaises ondes. Les papas tank sont détecte, tous les Soundboy à la ronde. Et ding dong, son le gong, on devient fort comme King Kong. Pas la peine de résister, le son éclate comme une bombe, ils veulent tester. Yes, ils restent perplexes. Ne pensez pas que le style était si complexe. Yo, tell me no, no. What's coming next? Papa tank aussi et les Soundboy sont vexés. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la bagaille. Soundboy, stand by. T'as pas d'épée laser, tu veux jouer le Jedi. Soundboy, stand by. Ne fous pas la pagaille. Soundboy, stand by. T'as pas d'épée laser, tu veux jouer le Jedi. Mais quand les Soundboy, ça va une boule Skywalker. On applique une technique que l'on connaît pas au cœur. C'est pas du Kung Fu, ni du Jackie Chan Fu. Lyric Mastok, c'est le papa ton cou. C'est ou, bombo clat, what you gonna do. Ou, avec la défaite, tu as rendez-vous. Ou, dommage les lyrics, ne valent pas un sou. Papa ton cou, papa ton cou. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la bagaille. Soundboy, stand by. T'as pas d'épée laser, tu veux jouer le Jedi. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la bagaille. Soundboy, stand by. Tout le monde est main en l'air, même ceux qui sont chez eux. Changement, maintenant je viens vous expliquer. Que l'homme s'y soit seul, Michael ne va pas se compliquer. Mes lyrics fantastiques, maintenant sont venus de s'appliquer. Et toi, début Soundboy, ne t'avise pas de me. Je te prends pour un DJ, mais tes lyrics ne sont pas bons. Si tu promets d'arrêter, je te donnerai un petit bonbon. C'est tout ce que tu mérites, espèce de petit. Évitons des jeux, tout le monde. Sur ce son, c'est Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la pagaille. Soundboy, stand by. T'as pas des lasers, tu veux jouer les Jedi. Soundboy, stand by. Sur le rhythm, ne fous pas la pagaille. Soundboy, stand by. T'as pas des lasers et tu veux jouer les Jedi. Boudoum, yes sir. Boudoum. Couleur cannelle. Qu'est-ce que j'aime leur complicité. Boudoum, boudoum. Vous êtes messieurs très présents sur les réseaux sociaux, fort heureusement, et c'est là que j'ai vu votre retour. Oui. Beaucoup d'artistes trouvent compliqué de concilier musique et marketing, communication en ligne. Qu'est-ce qui s'occupe de vous? Comment vous organisez? Franchement, on s'occupe de nous, et le fait qu'on soit en équipe. Du coup, on fait les trucs en équipe avec Franck, avec les différents acteurs, tu vois, ceux qui participent au projet et voilà. Du coup, les choses se font. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas évident. C'est clair. Quand tu dis Franck, je vois pas de qui tu parles. Vous avez une équipe. Alors, avec vous. Vous avez une boîte de prod. Comment ça se passe? Moi, je sais rien du tout. Personne ne sait. Alors, Franck s'occupe de nos affaires et Chabin Prone est derrière le dernier single, La Bataille, justement, qui est dans les bacs, comme on disait à l'ancienne, en tout cas, sur toutes les plateformes. Ouais. Sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, on etc. On en parle dans un instant. En tant que chanteur, lorsque vous écoutez un morceau, à quel élément prêtez-vous le plus attention, messieurs? Aujourd'hui, plus de texte. Après, ça vient peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est un ensemble au départ, hein, donc il faut que ce soit un truc cohérent, harmonieux, et puis après, il y a des trucs qui vont attirer l'attention, soit un instrument, ou bien soit la mélodie, ou le texte, tu vois. Mais... voilà, en fait, c'est... Mais je pense en tant qu'aficionados du hip-hop, je pense qu'on fait gaffe au texte quand même. Ouais. On fait gaffe au texte, forcément, les produits qui ne mettent pas le texte en avant, on va quand même prêter l'oreille. Mais ça ne sera pas ce qu'on va écouter en premier. Voilà. Hein, on va respecter, on va écouter le travail, parce que c'est tout travail, tout son, c'est un travail, tu vois.
Maintenant, aimer, c'est un autre délire, quoi. C'est d'autres personnes qui s'en occupent dans nos têtes. Je sais que la musique a pu vous amener hors de l'île. Parlez-moi de cette expérience à Bogota, en Colombie. Messieurs, j'étais pas là. Racontez-moi. La prochaine fois, faudra venir. J'espère bien, mais bon. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là. Eh ben, Bogota, quand on était ensemble, on a été donc pour un festival avec Shane Paul en tête d'affiche, avec Tiken Jafakoli, il y avait les Saiyan Supakru. Et donc là, en fait, ils ont Alpha fait. Alpha Blondie. Alpha Blondie, ouais. En fait, je dis Tiken Jafakoli, mais c'est Alpha Blondie. Ouais, pardon. C'est Alpha Blondie. Désolé. Et du coup, on s'est retrouvés dans ce groupe franco-français, tu vois. S'exportant directement en Amérique latine et précisément à Bogota. Et donc c'était le Dancehall Fest qui nous a accueillis et 25 000 personnes, le public était présent. La grosse surprise de voir que Papa Tank joue là-bas, grave, les gens connaissent. Grave. Tu vois, quand nous, on fait du yaourt sur du jamaïcain, tu vois, on comprend pas ce qu'on dit, tu vois, mais on le fait, tu vois. Bref, tu vois ce que je veux dire? On sait pas ce qu'on dit, mais on le dit. Ouais. Et ben là-bas, c'était la même chose sur nos sons. Et c'était spécial de, tu vois, de constater ça, tu vois, des gens qui parlent espagnol, qui font « Sambay, sambay », tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, mais j'ai déjà vu des gens faire ça ici, hein. Oui. La vérité, ils savent pas ce qu'ils disent non plus. Ah, bon Dieu. Ah, c'est pas toutes les yoga articulées bien et puis. Yoga compone son, yoga compone. C'est pas monnaie. Oui, c'était sur monnaie. D'accord, ok. Hormis. Alors, et toi, tu penses quoi justement de... Ben, moi, c'était une belle expérience, franchement. Voyager grâce à la musique, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Bien accueilli, les gars. Oui, par le public. Toujours. Toujours, toujours. Hallucinant. Il y avait des séances de dédicaces. Enfin des trucs qu'on n'a jamais vu même ici en fait. Ouais, les gens qui font la queue dans la rue, jusque dans la rue, ils peuvent avoir une photo et puis un autographe. C'est ça en fait. Voilà, l'Amérique latine, bien. C'est chaud. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point on est bien reçu là-bas et respecté. En tout cas, et les gens connaissent la Martinique, connaissent. D'ailleurs, les on était retourné une deuxième fois avec cette fois-ci, on était avec Pai, DJ Gilles et X-Men. Racontez, j'étais pas là. Non, c'était un petit peu le même type de festival, mais cette fois-ci, on était avec que des Martiniquais, quoi, en fait, cette fois-ci. D'accord. Donc, la Martinique représente en force là-bas, et puis, voilà, il faut qu'on continue à faire de la musique de qualité pour représenter. Il est prévu que vous repartiez là-bas pour nous représenter Je pense que vu qu'on a des contacts là-bas et que nous-mêmes, on est sur ça, ça va certainement se refaire. Hein. Voilà. Justement, en parlant d'Amérique latine, je voulais juste en placer une parce que on a été au Chili aussi, à Santiago du Chili, et on vient de perdre un grand monsieur qui nous a permis de venir au Chili. C'est DJ Pequeño qui est malheureusement décédé. Un grand monsieur festival et qui plein de gens de plein d'artistes français le connaissent. Et je pense le big up à l'heure actuelle, en tout cas, je voulais en placer une, voilà, avec vous. RIP. C'est ça. Vous avez fait un feat avec Tuco Gundam. Merci beaucoup. C'est quelqu'un que vous connaissiez avant? Alors, avant, parce que je dis avant ça quoi? Parce que, avant ce son? Il y a une sorte, oui. En fait, on le connaissait en tant qu'artiste, mais on ne le connaissait pas personnellement. Et donc, c'est une connexion qui a été possible grâce à Franck, justement. C'est ça. Il a senti le lien. Lui, il le connaissait. Nous, il nous connaît. Il a senti qu'il y avait un truc à faire. Nous, on a fait confiance et on a eu raison, tu vois, parce que le son, là, tel qu'il est, je kiffe. Je sais pas ce que t'en penses, Binoc. Oui. Une bonne alchimie. Ça coule. Ouais, franchement, ça glisse. Allez, concernant votre dernier projet, La Bataille, justement, êtes-vous satisfait des retours? Y en a-t-il déjà? Ben oui, satisfait des retours, hein. Naturellement, on en veut toujours plus, hein. On veut fédérer les gens et on veut que les gens voilà, continuent à kiffer avec nous, tout simplement. Donc, il y a ce son-là, il y a le prochain qui va sortir bientôt, et au fur et à mesure, je pense qu'il y aura assez de bouées pour flotter et puis pour ça, pour aller en pleine mer, voilà. Tous ensemble.
Voilà. Je veux dire qu'on arrive presque à la fin de cette émission. Déjà, oui, ça passe vite. Et les gars, c'est quoi le prochain projet? Ah, le prochain projet, c'est bientôt. Et on ne peut pas en dire plus. Voilà. Stay connected. Yeah. C'est bientôt. Le projet d'aujourd'hui, c'est la bataille. Donc, on est là. Et puis, le prochain... Non, le prochain, vous allez kiffer. Bon, abonnez-vous sur les Insta, sur tous les trucs, suivez-nous et vous serez informés en temps réel. Sans problème. Vous jouez quelque part sous peu? Alors, vous avez des scènes, il y a des choses qui sont prévues? Oui, il y a des choses qui sont en préparation. Maintenant, tu vois, comme je t'ai dit, il est trop tôt pour en parler. Il est trop tôt pour en parler, mais franchement, dès qu'on sera prêt, on accepte l'invitation et on en parlera sur les antennes. Cesse, nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo, c'est la bataille. Chaque jour jamais ça ne cesse. Nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo, y'a rien qui te garantit aujourd'hui que tu reviendras safe au bercail. Oh là, ils ont l'art et la manière de faire croire qu'on est du bétail. Cette course à la monie que tout le monde glorifie fait faire des choses sales. Yeah. Mais je connais ma valeur, tu veux tester, tu verras le soldat. Si c'est la bataille, chaque jour jamais ça ne cesse, nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo, c'est la bataille, chaque jour jamais ça ne cesse, nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo. Les cœurs saignent, les jeunes meurent, les pères craignent, les mères pleurent, la coupe est pleine comme les chargeurs. Je marche avec Jah, je n'ai pas de peur. Ici le temps c'est de l'argent, finesse Babylone dans la douteur. J'ai l'ange en main donc j'accélère, on vit, on prend, partage et on meurt. Je cautionne pas les bad minds, souvent toi et les bad man. Pour manger on est prêt à te faire mal, plus de 4 siècles et puis bam bam bam. Les hogades tout ça normal, FMI c'est pas précis, c'est un cas apprécié. Précis qu'on s'taille pas l'argent pour précier, money benny c'est la base qu'on a baissé. Adam Fino, Jaja children figure. Glow up, cause every day we are cherish the powers. Cause them fi know that the children fi glow up. Cause every day we are cherish the powers. C'est la bataille, chaque jour jamais ça ne cesse. Nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo, c'est la bataille, chaque jour jamais ça ne cesse. Nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo, yo. Éliminer, éliminer, éliminer tous les ennemis. Éliminer tous les obstacles, les problèmes, laminer les faux amis. Nous qu'a failli à tout, c'est pas à demi. Nous pas gâcher un bout, nous pas gâcher demi. Nous pas jamais confondre en poussi ou en lépi en pounani. En tête ou pas ni ton nan nan et il n'y a rien qui de l'ocani. Ou on dit dans la team loser, la team perdant et compagnie. On a banni les salmanis, nous c'est les lames que l'on manie. Pour couper, trancher, piquer, percer les injustices et les tyrannies. C'est la bataille, chaque jour jamais ça ne cesse. Nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo, c'est la bataille, chaque jour jamais ça ne cesse. Nous sommes samouraïs qui faisons preuve d'adresse. Même si c'est bad, 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 dans l'équipe y'a pas de stress. On est des fous, on fait face à ce qui nous agresse. Yo.